On va couper ça. Hop là. Alors, on va choisir quoi? On va partir sur du normal, hein, parce que je connais pas le jeu, je sais pas ce que ça fait, enfin, ce que ça donne, etc. Donc, je pense que difficulté, ça va partir sur nous. Vous appréciez autant de récits, ouais, mais du coup, comment ça marche? Sélectionnez la difficulté en appuyant sur A. Oui. Ah, ok. Voilà. Allez, c'est parti. Ah d'accord. Comme tu m'as manqué, Prométhée, mon cousin préféré. Tu m'as enchaîné à ce rocher et laissé un aigle me dévorer le foie. Mais c'est par amour. Oui. Tu as besoin de moi. Typhon est libre. Tu as jadis combattu aux côtés de ses alliés, les Titans. Persuade-le d'abandonner. Ce n'est pas si simple. Il entrave ma capacité à voir l'avenir. Je ne perçois rien. Par-delà sa seule présence. Vas-y. Foudroie-moi. Impossible! Il a pris mes éclairs. Il m'a tout pris. Même les autres dieux ont disparu. Tourne-toi vers les mortels. C'est fait. Ces parasites maléfiques, insipides, benêts, ils ont tous été pétrifiés. L'un de ces parasites maléfiques sauvera ta royale carcasse. Ma carcasse, elle est à l'abri et elle n'a rien à craindre, t'inquiète. Et les humains ne seront jamais que des erreurs pitoyables. Es-tu prêt à en faire le pari? Si je gagne, ma faute d'avoir volé le feu et assuré leur survie deviendra alors une bénédiction. Tu trouves que ton châtiment est injuste? Disons un peu excessif. Alors, marché conclu? Si tu l'emportes, j'y mettrai fin et je te libérerai. Mais si je gagne, tu m'aideras à triompher de Typhon, quel qu'en soit le prix. Très bien. Puisse le récit de Phénix être ma rédemption. Oh non! Pas une de tes histoires! Combien de temps ça va? Ça va Mon durer, récit bordel. débute en mer. Un navire
chargé de soldats, revient d'une campagne lointaine. Mais il est victime d'une tempête imprévue. La mer est démontée. Ils sont fauchés par les vagues. La ligne séparant le ciel de la mer s'est évanouie. Le sommet des vagues surplombe des vallées abyssales, aussi profondes que le Tartare lui-même. Dis donc, t'es fortiche pour les descriptions. C'est tout un art. Quoi qu'il en soit, le navire était perdu. Réveille. Voilà. Alors, hop là, on a accompli. Par là, contre, je crois que je c'est... La vois comme en plein jour. La plus humble d'entre eux était une porteuse de boucliers, rêvant de bataille, mais ignorant le tumulte de la guerre. Un être de conte plutôt que d'action. Phénix. C'est quoi ce nom, Phénix? Phénix, d'où ça sort? On dirait le bruit que ferait un oiseau qui s'enflamme tout seul. Ce qui est un concept un peu ridicule, hein, pour ne pas dire pire. Je vais quand même noter ça quelque part. C'est ainsi que Phénix s'éveilla sur une grève inconnue. Ok, donc on a naufragé, je sais où. De quitter cette plage et de gravir cette falaise. Alors, il fait un peu gadja, j'ai l'impression. Bon, comment ça marche? Alors, ça c'est pour esquiver. B, c'est pour accroupir et se mettre debout. Et les autres touches, bah, pour le moment, ça ne fonctionne pas. A pour sauter. Ok, très bien. Bah écoutez, on va avancer un petit peu. Alors, comme je vous l'ai dit, les amis, c'est un jeu de découverte. Donc, je ne vais pas y jouer. Hein, parce que voilà. Et donc. On va essayer de récupérer un petit peu de trucs. Hop. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? C'est une statue. Ok, next. Phénix vit au loin son capitaine et ses frères d'armes. La lumière lui joue en détour. Elle aurait juré qu'il l'appelait par de grands gestes. Phénix, encore toi. Tu n'es peut-être pas ton frère Liguiron, mais je ferai quelque chose de toi. Tiens bien mon bouclier et ne le lâche pas cette fois. Je ne t'ai pas vu là-bas. Ne fais pas attention à eux. Ils sont jaloux, c'est tout. Faut pas leur en vouloir, tout le monde n'a pas la chance d'avoir un frère comme le tien. Lokagos, Lokagos, est-ce que tu m'entends? Tu es tout froid. Quelle peut être cette magie? Liguiron, où es-tu, mon frère? Perdu et désarmé, Phénix était vulnérable. Je dois garder mon calme et appliquer ce que j'ai appris. Alors, c'est parti. Donc, la information appuyée sur... L'épée de mon frère. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh. Non. Alors, zone de quête. On va collecter. Mon frère est mort. Liguiron, mon frère. Tu as toujours été mon héros. Mon étoile polaire. Je te ramènerai. Je le jure.
Phénix n'avait jamais eu le droit de tenir l'épée sacrée, ce cadeau d'Achille. Elle lui parut parfaitement équilibrée, comme si on l'avait façonnée pour elle. Une épée offerte par Achille ? Son frère devait être doué pour le combat. Pourquoi dis-tu cela comme ça ? Parce qu'à moi, il m'a jamais donné d'épée. C'est tout. Phénix leva les yeux. Elle n'était pas seule. Par les dieux, reculez ! Comme par hasard. Elle brandit son épée pour sa première bataille. Alors, ça a l'air assez spécial. Ça me fait penser un peu à Assassin's Creed. C'est un peu les mêmes déplacements. L'entraînement lui revenir à l'esprit. X pour esquiver. Ça a l'air facile à manier, c'est déjà pas mal. Je devrais pouvoir observer la région. Alors, je suppose qu'on doit monter là-haut. Alors, juste quelques secondes. Tac. Ok, c'est bon, c'est parti. C'est la plus grande statue d'Hermès que j'ai jamais vue. Je me demande qui a pu l'ériger. Cerné par les défis. Absolument seule, la jeune héroïne était résolue à sauver ses compagnons et son frère. Oh, c'est lourd! Allez, la suite! Non, c'est important. Cela établit une atmosphère. Alors, qu'est-ce qu'on monte? On monte sur une espèce de statue, je sais pas. Quoi, elle a dit le nom là. Hermès, mon vieil ami, c'est un honneur de te rencontrer enfin. Mais ne répète à personne que je t'ai parlé. Chez moi, on me reproche déjà assez de mémoriser les récits plutôt que de travailler la terre. Et les autres soldats, eh bien, ils ne sont vraiment pas du genre à apprécier les belles histoires. Ok, très bien. Trop cool ton histoire. Alors, bon, déjà le jeu, il a l'air... Enfin, il est sorti en 2019, hein, je crois. Je suis pas sûr. Qu'est-ce que c'est ? Donc déjà, il est pas ouf, ouf. Du miel, d'un premier jour de printemps et de mon premier baiser. Phénix se met en plus à l'ambroisie. Prométhée ! Tu as peur de perdre ce pari, Zeus ? Bah, elle ne peut rien en faire de toute manière, pour l'instant. Alors, on y est. Hop là, c'est pas mal. Alors, ah ouais, ben en fait, c'est ça, hein. Ça fait comme un peu du style Assassin's Creed. Bon, jusqu'ici, tu ne me montres qu'une mortelle après un seul combat. C'est un peu court, bonhomme. Et Typhon devient de plus en plus fort. Ne te moque pas de moi, Prométhée. Je te jure que cette guerrière sera l'instrument de notre salut. Car si elle échoue, et si Typhon nous bat, le monde sombrera dans le chaos. Zeus, roi des dieux. Un temple d'Apollon. Si j'y trouve un oracle, il pourra m'aider à déjouer cette malédiction. Un griffon ? Les griffons n'existent pas ! Lâche-moi ! À l'aide !